Bonjour, on est sur le site ici de l'Entre-deux, à l'Échappée Belle. Et je suis ce matin, il fait un temps superbe, avec Xavier Thévenard. Alors Xavier, tu vas te présenter en quelques mots, mais Xavier, il faut savoir, c'est celui qui a gagné en 2013, donc l'année passée, l'Ultra Trail du Mont-Blanc. C'est-à-dire 160 km et à environ 10 000 mètres de dénivelé, c'est ça Xavier? Ouais, exact, donc j'ai 26 ans, je suis éducateur sportif l'été, moniteur de ski l'hiver, je viens du Jura et puis ma grande passion donc, c'est la course à pied. Première fois que tu viens ici découvrir les sentiers de la Réunion. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce parcours ici par rapport à ton vécu Alors, j'ai pas beaucoup couru d'ultra, j'en ai fait quelques-uns, mais celui-là est vraiment particulier parce qu'il y a une difficulté technique qui n'est pas à négliger. Technique, des parties qui sont très raides, il y a aussi la météo qui peut être un facteur sur lequel il faut faire attention parce qu'on a des changements climatiques. Entre le haut et le bas, mais tout ça rend la course très très difficile. Ouais. Toi, tu es jurassien, ouais. et au niveau de ton entraînement, c'est quand même pas que du trail. J'ai toujours fait du ski de fond depuis gamin, donc en fait, je pratique du ski de fond l'hiver et puis de la course à pied l'été. Le trail. C'est des distances qui peuvent varier énormément. On a des trails courts, on a des trails un peu moyens. L'ultra trail, toi, tu fais carrément des 160. Est-ce que c'est, t'as 26 ans, est-ce que c'est pas un peu jeune pour... Je crois qu'il faut faire ce qu'on a envie. Donc il y en a qui seraient peut-être plus attirés par des courtes distances, d'autres des moyennes. Moi, j'ai toujours aimé les efforts qui sont un peu longs. J'aime un peu les défis personnels et puis se dépasser. Est-ce que c'est pas très très facile finalement de pouvoir assumer une pratique qui demande énormément d'entraînement et de faire un travail à côté? J'y vais souvent le matin avant d'aller au boulot ou après le boulot, voilà. Donc. Bon, on va te laisser parce que je crois que tu as une petite reconnaissance à faire. On te souhaite beaucoup de chance, d'abnégation et tout. Et un petit dernier mot pour les Réunionnais. C'est vraiment un super coin. Il y a tout quoi. Pour s'amuser en trail, c'est idéal. Merci. Merci à toi.